La Ryder Cup le week-end dernier a été entachée par la blessure d'une spectatrice. Corinne Remand a été touchée par une balle sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris. Elle a perdu l'usage de l'œil droit et a décidé de porter plainte. En effet, le golfeur Brooks Koepka avait prévenu que sa balle allait s'égarer en dehors des limites. Mais cette information, qui est lancée par le joueur, doit être transmise aussi par les commissaires au public. Or, sur les vidéos, vous voyez que le public ne se protège pas. C'est-à-dire que l'information n'a pas été relayée. Et pour moi, ça, c'est inadmissible. On souhaite aussi, par le biais de cette action en justice, faire améliorer la sécurité sur les parcours de golf. Je ne suis pas là non plus pour maintenant empêcher les golfeurs d'aller suivre des parties de golf. Le golfeur s'est dit profondément attristé. Quant aux organisateurs de la Ryder Cup, ils assurent qu'un avertissement a bel et bien été lancé aux spectateurs. Mais la famille est effondrée. Au mieux, elle verra des formes, etc. Et puis, je lui ai dit. Mais oui, mais il fallait. Je lui ai annoncé, donc, la chose, je lui ai dit, je te dis clairement. Voilà. Ils ont peu d'espoir pourtant. Un accident similaire est arrivé ce jeudi à St Andrews, en Écosse, où une femme a été blessée à la tête par une balle frappée par Tyler Hatton.